Hey, bisous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Fear Effect pour notre 5e épisode. Nous étions restés sur un épisode où j'étais crevé. Ah, j'étais fatigué. Ah ouais, l'épisode d'avant, ça faisait plus de 24 heures que j'avais pas dormi. Je vous promets, hein. Je me suis endormi sur mon clavier. Genre, je crois que quand j'ai coupé la vidéo, je peux vous cacher. Ah, petite anecdote sympa sur l'épisode 4 de Fear Effect. Juste après, je crois que je me suis endormi sur mon clavier. Je suis resté 6 heures sur mon clavier, j'avais les marques du clavier ici. Enfin bref, let's go, on y retourne, c'est parti. C'était juste une petite anecdote comme ça. Oh, un plaisir. Oh. Je m'en passe pas. J'ai remarqué aussi que le jeu avait une bonne durée de vie. Avait une très très bonne durée de vie. Alors, je sais pas si elle vaut Chevalier de Baphomet, hein, parce que Chevalier de Baphomet, c'était quelque chose. 20 épisodes pour un jeu de PS1, c'était quelque chose. Mais après, c'est parce que... Et encore, 20 épisodes pour vous. Et encore, je vous ai laissé des fois, quand même pas mal de fois, répéter avec moi. Mais je vous promets, ça a dû 30 ou 35 épisodes, hein, si je vous laissais faire... Si je montrais vraiment tout ce que je faisais. Sans déconner, hein. Chevalier de Baphomet, c'était vraiment très, très, très long. Crah, et le coup de la serviette d'Anna, là, sur Fear Effect. Ah, ça me fait penser aussi au jeu Fear Effect. Qui malheureusement, le DLC de Fear, si vous avez déjà joué à Fear qui est sorti en 2005, l'un des meilleurs jeux d'horreur. Vraiment, le Fear, c'est l'un des meilleurs jeux d'horreur. C'est l'immersion de jeu est juste insane. Même encore aujourd'hui, hein, même si c'est pixelisé. Voilà, vous jouez aujourd'hui, même avec les... Vous n'avez pas l'habitude des jeux de l'époque, il va vous rendre mal à l'aise le jeu, vraiment. Donc let's go, on va... C'est juste une petite anecdote de Fear parce que je pensais à Fear Effect. Oh! Weeming nous appartient. Quoi? Allô? Des assassins? Non, je me gourde de touche. Je suis nouveau. Attendez, je suis nouveau, je viens d'arriver. Comment on rentre? Je vais mettre la caméra ici pour la vie des ennemis, bien sûr. Faut pas que j'oublie ça. Pendant que ça charge, hop. Tac. Putain, ça pue. Quelque chose qui pue, là. Je sais pas ce qu'ils font dans la rue, mais... Ça chouette. Allez, Fear Effect. Aujourd'hui, j'enchaîne les vidéos, j'en fais 6. Le mec est déter. Ouais, j'en fais 6, moi j'en ai rien à foutre, non. C'est quoi, ces vidéos? C'est rien. Allez, let's go. Oh, putain. Ah, c'est fait exprès? Non, c'était pas fait exprès. C'était pas fait exprès. Je vais quand même faire une save state, c'est plus rapide les save states. Mais je les ferai au moment où je sauvegarde, par contre, vous inquiétez pas. Je ferai des save states au moment où je sauvegarde, comme ça c'est plus rapide si je meurs. Parce que là, il y a le temps de chargement et tout ça, alors que le save state, il n'y a pas de temps de chargement. D'ailleurs, je sais même pas quoi c'est ça les temps de chargement ici dans ces jeux-là. Allez. Let's go. Ok, petite save state. Donc là, en vrai... Ah, mais oui, c'est vrai que j'ai ces armes-là, ça sera plus simple. Aussi, en même temps, si j'oublie que j'ai des armes comme ça aussi cheatées... Par contre, j'ai pas beaucoup de vie, hein. Par contre, comment on ramasse les munitions? Merci. Hop. Ok. J'ai pas beaucoup de vie, hein. Je risque de mourir dans un peu de temps. Quoi? Oh non! Ah, vous êtes sérieux? Let's go! Ouais, je pense que je ferai comme ça, c'est beaucoup plus rapide pour revenir dans le jeu. Dorénavant. Par contre, je referai ça, par contre. Là, je vous laisse avec moi. On s'y fait quand même au gameplay. Non, mais je refais la même! Non, mais je suis vraiment débile! Eh, faut vraiment faire gaffe, hein! Faut vraiment faire gaffe là où on tombe, hein. Vraiment. C'est même pas une blague. Ils sont beaucoup trop nombreux, ces fils d'œufs. Ok, là on fait gaffe. Moi je marche, hein. J'en ai rien à foutre, je marche. Hop. Si on peut tomber. D'habitude, il y a toujours des murs invisibles, ils ont même pas mis, quoi. Petit bâtard, je vois mal. Ok, là je peux courir. Ok, je cours.
Et là, il y a les poules qui tombent. Oh, je pète un câble. Je vous promets, je pète un câble. Okay. Oh, petit bâtard. J'ai pas de vie. Calmez-vous, j'ai pas de vie. Oh, viens là. Je savais que t'allais sortir les principes, je savais. C'est tordu, hein. Alors, attendez. Alors, attends. Oh, merci. Ça commence à me gonfler. Attends, je suis bien sur la plateforme, hein. Je suis bien sur la plateforme, là. C'est bon? C'est bon? Attends. Attends, je stresse un peu, là. Je suis un peu sur le rebord, là. Attends, hop. Attends, je suis sur des savonnettes, attends. Comment il se déplace? Attends, là, c'est bon, je suis là-bas. Ok, là-bas, il y a quelque chose. Oh, putain. C'est moi ou ça me... Il y a un mur, là. Il y a un mur qui me pousse vers le vide. Non, ok, c'est bon. Ok, là, je peux courir? Non, attends. Je sais pas si c'est une rambarde qui est sur le côté ou les tuyaux un peu plus loin, tu vois. Je sais pas où elle est. Ah, ce stress, il est insane. C'est encore pire que les toyaux au début, là. Oh, putain. Toujours pas vague de 3, j'ai remarqué, là. Ah, ils sont toujours pas vague de 3. Petit bâtard. Depuis quand la chair brûle aussi vite? Vous ne travaillez pas pour mon père. Alors vous devez être un mercenaire. Ouais, je m'appelle Glass. Alors quel est mon prix, monsieur Glass? Tu vaux 90 millions cash. Putain! Avec nos vies en bonus. Mais excusez-moi. Apparemment, ton père n'aime pas trop les indépendants. J'aurais voulu vous aider, monsieur Glass. Mais je ne peux pas. Mon père m'a caché la vérité durant toute ma vie. J'ai enfin 90 millions. Changé mon destin grâce à Madame Chen. Et personne, ni vous ni même mon père, ne m'en empêcheront. Désolé, ma mignonne, mais tu viens avec moi. 90 millions. Et je peux me montrer très persuasif. Je n'ai jamais souhaité cela. Je ne savais pas que le sang était le catalyseur. Je voulais juste aider. Je ne suis pas le diable, Monsieur Glass, mais j'ai découvert que j'avais le pouvoir de libérer le mal chez les autres. Et ce mal est incontrôlé et sans limite. Hein? 90 millions! Non mais, je sais pas si vous vous en rendez compte. Nous, si on meurt, c'est que 20 000 euros. Hein. Si on meurt, notre assurance vie, elle est 20 000 euros au début. Hein. Et encore, je crois qu'elle régresse avec le temps. Ah, j'ai fusil d'assaut. On va quand même jouer avec les guns. Oh, mon petit bâtard, se relève comme... Tu te relèves pas, hein. Ah, c'est bon. Ok, on peut pas y retourner, en fait. Je sais pas où elle est, là. On va essayer d'aller retrouver Anna. Oh, la tête. Oh, Anna. Anna. Avec sa petite serviette. Sa petite serviette qui la rend très, très sexy. Ah, moi c'est mon délire. Les petits cheveux courts comme ça là. Ok. Je peux pas. Non, je peux rien faire. Allez, on se calme. Allez, couchez les enfants. Couchez, c'est l'heure de dormir. Voilà, c'est bien. Voilà, je me disais bien qu'il y en avait un qui allait se relever. Je l'attendais celui-là. Nickel. J'ai déjà plus de balles de flingue presque. Ah bah, c'est ce qu'il fallait faire, les tuer. Dans quoi je me suis embarqué? Oh non, elle est habillée maintenant. Je suis déçu. Ah non, je peux sauvegarder, putain. Oh, j'ai plus de munitions, j'ai plus rien, je suis vidé. Oh non, j'ai rien du tout, j'ai plus de munitions. Oh, c'est pas bon du tout. Comme on dit, hein. Ça chatte son couteau. Hein. Y'a plus que ça, hein. On va aller là-bas, parce que là-bas, j'y suis jamais allé là-bas. Attendez, j'en fais une safe state ici, même si j'ai sauvegardé juste avant. Hop. De toute façon, je sauvegarde que lorsque je sauvegarde, hein, avec les safe states. Juste pour gagner du temps. Hein. Je vous l'ai dit, je me répéterai. Là-bas, je sais qu'il va se réveiller, lui. Oui. Il affronte pas. Je m'en bats les couilles. Vous pouvez me juger si vous voulez.
J'ai pas d'armes donc c'est le jeu qui est méchant avec moi. Donc là on va y aller gros, discretos. Nice, on a pas vu. Us! Balle de fusil. Mais j'ai pas de fusil ta mère. Ah non. Quelqu'un peut m'ouvrir? Allô? Mais non, mais tiens sur le zombie! Tu vois pas qu'il y a un problème, il y a un zombie devant toi! Ça s'appelle un gangbang. Ok, let's go, on va passer par là. C'est nice, on prend juste ses munitions et on se barre de l'autre côté. Voilà. Non, on va juste là-bas. Là, le mec, il vient pas. Hein. J'ai pas. Ah si, il vient. Tu peux. Ah, c'est combat. Ils sont juste insane. J'ai besoin d'un fusil par contre. Donc là, il y a rien à faire en fait. Ok. On va aller de l'autre côté. Hein. On va voir s'il y a une arme que j'ai pas récupérée. Non, ouais, les bungalows qui sont là-bas, on ira plus tard. Ah ouais, ouais, t'inquiète, je regarde pas, je prends le risque. Les chiens. Les... Juste des chiens, c'est juste des chiens. Ouais, non, bah non, je suis mort. Ouais. Juste des chiens, quoi. Juste des putains de chiens. Je vais me faire ça, quoi. Avant, j'avais utilisé la clé là, ça a pas marché, alors... Ok, nice. On va prendre ça. Ok, attends, hop. C'est du bungalow, clé du pomone. Mais pourquoi non? Allez, un tir, deux tirs, trois tirs, quatre tirs, cinq tirs. Allez, attends. Oh putain, j'en ai un sixième. Ah, quand je dis tir, c'est... Voilà, tu m'avais compris. Hein. Toi, tu te relèves. Relève-toi, vas-y. En fait, je me bats vraiment mon couteau avec juste mon couteau. Allez, lève-toi, je sais que t'es en train de dormir. Ouais, non, c'est bon. Ok, maintenant, agir. Non. Oh, allez. C'est quoi, il y a un passage là à gauche? Non. Tu vois un petit ponton là? Non, il marche pas. Et là, comment je vais faire? J'ai rien, j'ai pas d'armes, j'ai pas de balles, j'ai rien. Je suis censé faire en fait. Là, je vais juste crever. Hein. Je vais retourner là-bas, mais je vais juste crever. C'est con, mais c'est la vérité quoi. Voilà. Allez, go. Je peux même pas passer. Hein. Je peux même pas passer. Je peux même pas filouter pour pouvoir passer. Ok, on va re-save ici. Ok, let's go. Ok, il met pas comme ça. Donc j'en ai au moins un des deux là. Oh oui! Une arme! Yes! Voilà, je me mets là-bas. On va faire comme si j'avais sauvegardé. Je fais une safe state, ce sera plus rapide pour les chargements. Voilà, voilà, safe state, bam, on fait comme si on avait sauvegardé. Bien sûr, la sauvegarde, elle est là, hein, je suis pas débile, elle est là. Voilà, j'ai fait une safe state. Ce sera plus rapide. Enfin, merci. Enfin, oh, ça fait du bien quand même d'avoir une vraie arme là. Bon, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Bien sûr, je peux pas les viser, ça me saoule. Ça change hein. Bon, j'ai plus de vie parce que j'ai dû me battre au couteau, mais ça change quand même hein. Vous auriez pas une clé s'il vous plaît? Non. T'as pas une clé toi? Elle a pas de clé. Ok.
On peut sauvegarder. Save state. Je me le dis tout de suite. Hein. Maintenant, ce sera comme ça. Hein. On va retourner voir le mec. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, vous êtes pas mort, j'ai pas mis beaucoup de balles. Ah si. Attends. Il s'est barré le bateau? Il est où le bateau là? Non, sérieusement, il est où le bateau? Glace, il s'est barré avec le bateau? Oh petit bâtard. Pour une fois que je vérifie pas. Il s'est barré avec le bateau, on est d'accord. Bah non, il est là, pourquoi de loin on le voit pas? Je sais pas, je n'y quitte des balles pour rien là. Bon, faut que je retrouve glace. Là, il y avait rien. Là, il y a juste un truc de sauvegarde, je crois, ici. Oh merde. J'essaie de voir où je dois aller. Hein. Toi, t'es pas mort, vas-y. Vous avez vu, à chaque fois que j'essaie de vérifier s'ils sont morts ou pas, ils sont vraiment morts. Mais par contre, quand je vérifie pas s'ils sont morts ou pas, eh ben ils sont pas morts. C'est la bonne blague. C'est énormément la bonne blague, quoi. Mais bordel, vous êtes combien, là? Je te promets, je vais là-bas, s'il y a rien, je fais une autre state, hein, je m'en bats les couilles. Parce que j'ai perdu trop plein de balles pour ces conneries. Hein. J'ai tué des ennemis pour rien. Juste pour le plaisir. Oh, ah si, j'ai vu, il y a quelqu'un, là. Ok, nice. J'ai une clé. Une clé de quoi, je ne sais quoi. Allez, merci. La clé de la Ximone. Ouais. Si tu veux, le jeu. Si tu veux. Ça change la vie. Hein. Une petite mitraillette. Oh, non. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bon, c'est bon. J'en ai marre de vous combattre, là. J'en ai tué pas mal, là, de vos frères, là. En vrai, c'est un bon jeu à speedrun. Ah mais merde, pourquoi t'es là toi? C'est un bon jeu à speedrun. Bon, en vrai j'ai plus de vie aussi mais... Oh c'est que des détails. N'empêche, faut aller loin hein, pour ouvrir des... pour aller au bungalow là-bas. C'est vraiment les allers-retours pour... la pomone. Voilà, et après on va aller là. Voilà. Là je fais une safe tête mais sur un deuxième slot. Pour pas avoir de problème. Parce que Gaou, vu la vie que j'ai... Si je passe sur un gros passage, je préfère repasser tout le reste en off, mais dans une meilleure manière. Alors j'ai liquidé toutes mes balles, j'ai plus de vie. Enfin, j'ai encore pas mal de balles, hein. j'ai encore 89 balles. Mais bon. C'est calme. Ça fait du bien quand c'est calme. Une autre safe state, là, je peux me permettre. Hein. Je suis arrivé à un autre endroit de sauvegarde. Hop. Ce sera mieux en vrai, c'est beaucoup plus simple hein, de faire comme ça. Celui-là, il n'y a rien à. Lui, on n'a pas besoin de l'affronter si on ne s'approche pas. Là, je peux le tuer avec le couteau. Donc, c'est ce qu'on va faire. Hop. L'autre, il va arriver, il va me tirer dessus. Donc, on va le prendre direct. Hop là. On prend juste les balles. Nickel! Bon, je commence à revenir bien au niveau des balles, mais au niveau de la vie, toujours la merde. Bon, alors, c'est lequel? C'est lui. Vous savez qu'il me fait. Ils font flipper ces trucs de merde. Je t'avais à moitié vu au sol toi, mais je pensais pas que t'allais te relever quand même, je pensais que t'étais vraiment mort vu qu'il y avait les ennemis à côté. Par contre j'ai un double flingue. Mais à quoi ça me sert quand j'ai pas de balles? Bon, si j'ai des balles mais... Ok, là attends, j'ai entendu regarder, il y a un cadavre là, est-ce qu'il y a des clés dessus? Non, il y a rien. Ok, là il y a un petit truc blanc ici, il n'y a rien à faire. Non, il y a rien. C'est juste pour récupérer un deuxième flingue. Ok, d'accord. Ça ne sert à rien d'être ici, tant mieux. Donc toi, tu vas te relever. Allez, relève-toi. Voilà, ça dégage.
Hop, donc la clé de la peau de la Ximone là. Nickel. Oh les chiens! Les chiens quoi? Oh sérieusement? Je vais déjà faire ce passage en priorité. Je vais même faire une petite safe state avant de prendre la porte parce que là en vrai je suis pas très bien. Hop, lui c'est bon, là il va spawn derrière. Non, pas encore, il faut que j'aille, faut que j'avance un peu. Voilà, là je crois qu'il a spawn maintenant. Bien, donc faut que j'avance au niveau du zombie. Au niveau de là. Voilà, là, là c'est bon, il a spawn. Ah, ça marche comment leur truc? Ça, vraiment? Ah, t'as spawn là, c'est bon! Je comprends pas comment ça fonctionne. Bon. C'est pas possible. Ah, c'est juste pas possible. Là, c'est juste pas possible en fait. Ils sont tous. Il y en a un dans le coin. Il va se retourner, il va me tirer dessus si je. Mais je dois liquider quand même les mecs avant quoi. Là, c'est un peu débile. Merde, votre state, ça va être peut-être plus rapide. Mais je vous promets, c'est juste chiant là, je comprends pas ce que faire. Ouais, ça dégage. Donc l'autre il spawn pas, j'ai bien compris. Hein. C'est bon. Allez. Quoi? Maintenant il spawn? M'a fait paniquer le con. Ah, vous avez vu ça? Hallucinant. Hallucinant. Il spawn pas tout à l'heure, et là il voulait spawn. Juste pour me faire chier. Au moment où je m'y attendais de moi. Hallucinant. Ok. C'est pas possible avec celui de droite. C'est vraiment pas possible. C'est. J'y arriverai pas à passer ce passage. Le truc c'est qu'il n'y a pas de cheat là-dessus. Hein. Mais là je pourrais pas passer si vraiment je dois... Ah la vache. C'est bon? Vous avez eu votre dose? Ah, je vais pas avoir les Onakimbo comme ça, comme ça, non? Je peux pas. Je suis puni. On fait une save. Je vous le promets, là, on fait une save. C'était vraiment chiant. J'ai eu de la chatte avec le mec à droite qui a mis un peu de temps à me tirer dessus. Comme vous avez pu voir, il a raté pas mal de tirs. En fait, ça sert à quoi d'être ici? Ça sert à quoi d'ici? D'être ici, vraiment. Faut quoi? Faut que je récupère le gun avant là-bas, tout à l'heure là? Ça me sert à quoi d'avoir un double Akimbo en vrai? J'ai une mitrailleuse. Enfin, une mitraillette. Enfin, une fusil d'assaut, pardon. Y'a rien à faire. Vous êtes sérieux? Y'a rien à faire. Bon bah allez, c'est bon, on passe pour le deuxième passage. Oh, j'ai la clé du train. Ok. Ok, attends pour moi, j'arrive pas à une clé, je sais pas comment. Je me déteste. On va pas chercher le petit gun. À quoi il sert? On a un fusil d'assaut. À quoi il sert le petit gun, hein? On n'est pas perfectionniste. Alors le train. Alors ce fameux train, qu'est-ce qu'il y en dit? Donc là, j'étais là. Ah, c'est là. Donc là. Tac, tac. Let's go! Oh, j'ai de la vie. Nice. Ah, nice, une petite safe state. Oh, pas encore une énigme à la con, s'il vous plaît. Alors, A8TA. Ouais. C9555A10. C'est quoi, c'est un jeu de 7 erreurs? Ah,
Faut faire quoi, l'alphabet? A, B, C, D, E, F, G, I. Allez, fais l'alphabet, go! Non, en vrai, il doit y avoir un code. Il doit y avoir un code qui est marqué quelque part. Attends, là, je peux pas gérer ici. Là, il y a des notes, il y a des notes. A, 4N2B, 422C, 8000. Ok, c'est bon, j'ai compris. Par contre, si tu pouvais quitter, merci. On va juste mettre le dernier, hein, c'est celui que j'ai reconnu le plus. Non! Ah, c'est bon, on revient en arrière. Ok, c'est bon, c'est celui-là. Ok. Maintenant, c'était quoi le. C'est 4-2-NB, je crois, entre comme ça. C'est... Ouais, c'est ça, 4-N2B, pardon. 4-N2B, 4-2-2C. 4-N2B, 4-2-2C. Alors. Alors. Quoi? Mais je l'ai passé. Du coup, je l'ai passé le N. N. 2. B. 4 N2B. 4 22C. En vrai, ça va. Ça va, le NUM, il y avait la solution. Contrairement au fusible. Oh, les fusibles. Oh, vraiment, j'ai pété un câble. En plus, j'étais crevé. Ah, merde, j'ai pas mis 4. 4 de ça va. C'est pas compliqué. C'est ce que j'ai toujours voulu. Un train avec plein d'armes. Génial. Des nouvelles de Glace? Pas encore. C'est un grand garçon, tu sais. Je m'occupe de tout ça, ok? Et toi, tu fais démarrer le train. Oh putain. Oh, peu cher. Mais c'est moi au moins, ça tient le temps des armes quand même. C'est bon? Anna! Le pont s'est effondré! Le pont! Oh merde! Ça c'est con! Il laisse tout seul en plus. Ah! Go! Go, je peux pas remettre la caméra! Go! Let's go! Est-ce que ça va, Deck? Mon pauvre train. Il valait sûrement plus que cette oui machin chose là. Maintenant tout est à l'eau. Pas non plus, 90 servir, millions Deck. Quand même. Surveille-le, Anna, je vais jeter un coup d'œil. Ah, c'était pas mal, hein? C'était pas mal tout ça. Allez, on sauvegarde. Eh, hey, il y a de l'aventure. Bon, on n'a pas fait beaucoup de choses, on est juste revenu en arrière. On a joué. On a joué un peu avec tout le monde. Donc, c'est ça, reste sur un bon épisode. En espérant que cet épisode vous a plu. Passez une agréable journée, une bonne soirée. Bisous, c'était Xana. Et tchuu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